break balls. Bienvenue dans le Grand Frisson, l'émission qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. I think we'll be all right. Au programme cette semaine, nous retrouverons tout d'abord le réalisateur Paul Feig et les actrices Blake Lively et Anna Kendrick qui nous parleront de L'ombre d'Emily, un surprenant thriller sarcastique. I guess I'm probably not the kind of person you're normally friends with. Oh, you do not want to be friends with me, trust me. Puis nous irons faire un tour dans le futur pour parler de Upgrade, le nouveau film de Lee Whannell. Nous reviendrons également sur la réédition de The Seven Ups, un polar 70s signé Philippe D'Antoni que vous avez peut-être découvert à l'époque en salle ou en VHS sous le titre français de Police Puissance 7. We can do this the easy way or the hard way. Nous suivrons ensuite Lara Croft aux confins de la jungle amazonienne pour jouer à sa nouvelle aventure Shadow of the Tomb Raider. Nous en remettrons une petite couche sur Rampage hors de contrôle pour sa sortie en vidéo, Palme d'Or 2018 du meilleur blockbuster avec des gros singes qui tabassent des immeubles. It's very entertaining though. Et pour ne pas totalement faillir à notre réputation cinéphile, nous finirons par vous causer de la première fournée de la collection Make My Day, dirigée par Jean-Baptiste Torret, et notamment des sorties en DVD et Blu-ray des superbes Six femmes pour l'assassin de Mario Bava et Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow. Si tratta certo d'un pazzo. Odio maniaco sessuale spinto da furia omicida. Alors ouvrez grand vos yeux qu'on titille vos nerfs optiques et qu'on asticote vos neurones.